Impeccable, Thomas Ramos égalise 3 partout. Ramos, la passe au pied peut-être, sur l'aile de qui? Sur l'aile de cet homme, Mathys Lebel. Deux points de plus. Flamand, pas de temps mort, la passe au pied contrée. Jeu toujours avantage. Ramos, on le retrouve ici, l'avantage qui court toujours, Ramos. Ramos qui est passé. Et Ramos qui va marquer dans le désordre. Donc voilà, prise d'intervalle, et même si on est tenu, la puissance, la mise en action de Thomas Ramos. Puisqu'on sait que cette équipe toulousaine, elle aime bien jouer entre guillemets presque à plat, c'est vraiment sur des timings pour perturber les défenses. Mais quand vous avez des défenses très agressives, vous l'avez dit, il faut être capable d'ajuster. De l'attitude. Trop de liberté pour Damien Penaud, mais toujours autant d'efficacité en faveur du Stade toulousain qui capitalise sur les fautes clermontoises. Ramos, pas d'avantage. C'est croisé dans le dos, dans le dos d'un avant. Finalement, il faut un coup de main, il faut un gros coup de main de Delgui. Une fois, quel jeu au pied, hein. Quelle réalisation, c'est bien fait, c'est bien lu de la part de Thomas Ramos qui pour l'instant est très très fort, hein, en ce début de match. Avantage en avant. Et un ballon récupéré en deux temps par Thomas Ramos. Est-ce qu'on prendra Thomas Ramos? J'ai la peur que non. J'ai bien peur que non, il va vite, trop vite. Et malgré le plongeon désespéré de Damien Penaud, c'est Thomas Ramos qui signe un doublé. Aux Toulousains de scorer aussi facilement sur un essai, mais on le sait, cette équipe toulousaine, la moindre erreur, sont capables d'aller. Qui s'applique et signe deux points de plus, 27-10. Comme le disait Adrien Pélissier tout à l'heure, ils se nourrissent des ballons qu'on laisse en route, et notamment de ce ballon intercepté avec encore une fois Thomas Ramos qui poursuit son sans faute. C'est au pied par Ramos, dans le dos de Marvin O'Connor. Il y a Capozzo qui va jaillir, qui va marquer les retenues. Opportuniste. Ouais, sur ce mouvement-là, dire sur cet essai validé. Okay. Mais encore un essai qui, pour derrière, marquer de très beaux essais. Encore sur une passe au pied bien millimétrée, de la part de, avec un petit peu de chance au bout, de la part de Thomas Ramos. Il y avait la couverture pourtant, il y avait deux joueurs clermontois, ouais, qui étaient là. Bon, alors que la sirène a retenti au stade d'Ernest Vallon, on ne veut pas échapper à Thomas Ramos qui porte la marque au coup de sifflet final à 46-10.